Refait le Mac, le podcast. Chaque semaine, vous retrouvez sur le site www.onrefaitlemac.com le débat sur l'actualité et les usages du Mac, de l'iPod, de l'iPhone et désormais de l'iPad. Cette semaine, nous allons nous intéresser à l'App Store, le magasin d'applications d'Apple. Sommaire. On refait le Mac. Exclusif, on refait le Mac. L'App Store pèse 20 millions d'euros en France. Le magasin d'applications d'Apple est une cash machine pour la pomme, bien sûr, mais aussi les développeurs. Ils empochent 70% sur chaque vente d'iTunes, ce qui explique le succès phénoménal du store d'Apple avec au compteur plus de 150 000 applications. Apple va-t-elle pouvoir résister encore longtemps au store concurrent lancé par Google, Nokia ou encore Samsung? Peut-on vraiment encore faire fortune avec une application iPhone ou iPad? On refait le Mac, épisode 18, l'App Store, encore un Eldorado. On refait le Mac. Avec, pour en parler avec nous cette semaine, à ma gauche, Camille Touvenin du site Ludomac et également de la boutique MacGames. Bonsoir Camille. Bonsoir Olivier. Au centre, Emmanuel Torrigano du site www.electronlibre.info. Bonjour Emmanuel. Salut. Et à ma droite, un spécialiste des développements sur iPod et sur iPhone, donc il tombe bien ce soir, c'est Monsieur Stuff de Pomcast. Salut! Ah oui, il a sorti son micro, waouh, un magnifique Sennheiser à 10 000 euros. Messieurs, question, est-ce qu'effectivement, et là je me tourne vers Stuff de suite, est-ce qu'effectivement, selon toi, l'App Store est devenu vraiment un nouvel Eldorado pour les développeurs de jeux vidéo, ou les développeurs de tout court d'ailleurs? L'App Store, c'est une méritocratie. En fait, donc tu peux m'expliquer ça veut dire un que si peu. T'es pas, ouais. Tu veux dire que c'est sarcosiste ? Non, oui, non, même pas. Ça vient pas de moi, c'est pas moi qui l'ai sorti, mais je trouve que ça correspond assez bien à ce que c'est. C'est-à-dire que si t'es a priori pas trop mauvais et que tu as une bonne sauce de bon développeur, bon réseau de connexion, bon marketing et X, Y et Z, n'importe quel gars dans son appartement peut y arriver. Camille, toi qui viens du Mac, qui viens du marché du jeu, ça t'a surpris aussi cet engouement autour des applications, autour de l'App Store, le nombre de développeurs qui sont arrivés comme ça du jour au lendemain, de nulle part, hein, pour développer sur iPod et sur iPhone? Non, ça me surprend pas. Par contre, moi je dirais pas méritocratie, je reprendrais ton expression, Olivier, de ruer vers l'or. Il y en a beaucoup qui... c'est un peu le cas pour pas mal de développeurs. Donc... globalement, ouais, c'est clair. Ce qui se vend le plus, voilà, les jeux qui se vendent le plus, c'est les jeux NG Docomo, c'est les jeux Gameloft. Il y en a quand même pas beaucoup qui sortent du lot. Je connais des développeurs qui ont sorti des bons titres. Pour un Doodle Jump ou un Flight Control ou des choses comme ça qui cartonnent vraiment, il y en a aussi beaucoup qui se ramassent lamentablement, surtout avec des jeux à 79 centimes, ça fait pas vivre tout le monde, faut pas rêver. C'est-à-dire un petit peu les contes de fées qu'ont pu vivre les développeurs aussi, de TapTap Revenge quand il est sorti sur iPhone, ou ne fût-ce que Shazam qui s'est écoulé en 1,5 million d'exemplaires en 6 semaines, mais c'est énorme. Ouais, après TapTap Revenge, c'est difficile aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui il y a 150 000 applications sur l'App Store, donc quelque part. De toute façon, c'est plus difficile. C'est pas aussi simple, Mustafa, aujourd'hui, avec 150 000 applications de vivre. De toute façon, c'est plus difficile d'avoir une idée originale, mais ce qui est clair, c'est que des boîtes comme TapTap Revenge, ils ont été là dès le départ, ils étaient là day one, ce qui est le cas de autres, par exemple Where2, qui est un logiciel que je connais assez bien, d'un développeur que je connais bien en Allemagne, dont on parlera peut-être plus tout à l'heure. Ouais. Et ça, c'était dès le départ sur l'App Store, donc tu te fais un petit peu une marque quand t'es là dès le départ. Si t'arrives aujourd'hui, c'est sûr que c'est un petit peu plus difficile, mais il y a des tas de secteurs où tu peux encore innover, et il y a des secteurs où les gens changent d'application de temps en temps. Par exemple, les clients Twitter, ça paraît débile que quelqu'un se dise je vais faire un client Twitter parce qu'il y en a déjà 50, sauf que si tu fais ils sont pas tous terrifiques, mais si tu prends le coup de Tweety, ce qu'a fait Lauren Brister à l'époque, c'est qu'il s'est dit il y en a aucun qui me plaît, je vais en faire un meilleur, et il y est arrivé. Et les clients Twitter, par exemple, c'est typiquement le genre de truc où les gens ils vont aller claquer 2 ou 3 euros tous les 6 mois parce qu'ils ont envie de changement, quoi. C'est vrai qu'on a vu arriver quand même un nombre incalculable de développeurs du jour au lendemain. Parce que c'était la ruée vers l'or, Emmanuel. Dans mon entourage, j'avais vraiment des intégristes du monde PC qui se sont mis à acheter des Macs parce qu'il faut un Mac pour développer des applications pour l'iPod et l'iPhone. Et vraiment, ça faisait rêver les développeurs. La chose est plus compliquée quand même aujourd'hui.
Non, mais la chose a été assez bien expliquée. C'est vrai qu'il y a une ruée vers, en effet, un minerai nouveau, vers un nouvel Eldorado. Et comme toujours dans ces cas-là, c'est le premier qui arrive sur le bon emplacement et qui va prendre, qui va planter ses barbelés autour, vous savez, comme on voyait dans les vieux films, et qui peut avoir peut-être, on ne sait jamais, la fortune au bout. Mais en fait, la vraie question dans cette histoire, c'est que Apple est en train, et peut-être la seule des sociétés aujourd'hui, de la micro-informatique grand public, qui a su remettre en place une relation de confiance entre un consommateur, un logiciel, ou de la musique, ou de la vidéo, parce que pour moi, l'App Store ne serait rien sans iTunes Store Music au départ, ou iTunes Movie Store. Ils ont réussi à remettre de la valeur dans cette relation-là, alors qu'on pensait réellement... moi, je me rappelle avoir entendu parler les analystes là-dessus, il y a tout début des années 2000, qu'il était quasiment plus possible de vendre quoi que ce soit, qu'on allait vendre des machines et que tout le reste, comme la connexion Internet et tous ces machins-là, ça serait gratuit parce que, vous savez, il y a la piraterie. On disait même que, Apple, que ils l'électronique ont fait... faisait plus rêver, hein, c'est ça Emmanuel, c'est fini. Voilà, et Apple, ils ont réinventé une relation forte, une relation de confiance qui n'est pas universelle, hein. Il y a des gens qui n'y vont pas et qui n'iront pas, mais cette relation-là, elle recrée un marché, et quand vous recréez un marché, vous avez forcément énormément de personnes qui veulent en profiter. Il y a quelques jours, je publiais une info sur le site, hein, on fait le Mac. Comme quoi, en gros, l'App Store en France pèserait à peu près 20 millions d'euros. Et 90% des revenus gérés par l'App Store en France, ce sont des jeux et des logiciels de navigation. Alors quand on voit ça, qu'est-ce qui reste aux développeurs, messieurs? Si vous sortez une petite appli qui n'est pas des jeux, qui ne fait pas du jeu et qui ne fait pas de la navigation, vous ne pouvez gagner pas un radis, en clair. Moi, je ne suis pas sûr, parce que je pense qu'il y a quand même beaucoup de place pour tout ce qui est réseaux sociaux... ceci dit, ça va pas sans la navigation, hein. Quand on voit Foursquare par exemple, c'est clairement lié à la localisation, mais je pense qu'il y a beaucoup de place pour tout ce qui est réseaux sociaux, Facebook, Twitter et compagnie, et voilà quoi, mais bon, après si tu viens avec n'importe quelle idée assez sympa, il y a moyen d'y arriver quoi. Ouais, et j'aurais juste... C'est vraiment une question de créativité. Regarde les applications en dehors de ce qui se fait en effet pour la navigation, qui est l'élément naturel d'un appareil mobile comme l'iPhone. Condition d'avoir un GPS. Ou les jeux vidéo, parce que c'est les jeux vidéo, en gros, c'est quand même la première chose de laquelle tu penses quand tu veux programmer quelque chose. Pour le reste, ouais, pas moi. Pour le reste, c'est quand même. C'est très 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 moyen, la qualité des applications utilitaires, dites productives. Le problème, c'est un des problèmes, c'est que oui. Je voudrais revenir sur ce que tu disais tout à l'heure, ce que vous disiez tout à l'heure par rapport à la ruée vers l'or, et ça coïncide avec ce que tu dis juste là, la qualité, c'est qu'il y a beaucoup beaucoup d'opportunistes, et il y a beaucoup beaucoup de gens comme Olivier disait qui étaient des anti-Mac et qui du jour au lendemain, moi j'en connais en plus, il y a des mecs qui il y a des mecs qui bossent pour moi qui ont au bureau un Mac Mini. Et en gros, ils allument le Mac Mini, ils développent, et puis après, ils éteignent le Mac Mini et ils vont dans Outlook checker leur mail, quoi. Malheureux. Quelle horreur. Et ça marche, et ça marche pas. Ça marche pas parce que ça produit. Alors, quand tu fais des jeux, quand tu fais de l'OpenGL, encore c'est différent parce que c'est pas spécifique à la plateforme. Mais quand tu veux faire un truc où tu veux vraiment utiliser UIKit, donc tous les éléments graphiques de l'iPhone, et faire des trucs assez beaux, tu tombes relativement vite face à un problème de culture et de culture Mac et de culture de l'iPhone, quoi. C'est-à-dire qu'il faut pour réussir à faire un produit relativement pas mal sur iPhone, il faut vivre toute la journée avec son iPhone, il faut utiliser son iPhone, il faut surtout engager un designer et arrêter de croire que moi je suis développeur et je sais lancer Photoshop. Non, ça marche juste pas. Et il y a un vrai problème de culture. C'est les mecs qui étaient sur PC et qui a priori, même pour beaucoup d'entre eux, vont le rester. Et voilà. Et si tu veux, pour moi, si tu veux devenir développeur iPhone, tu vas le devenir à fond et tu vas te mettre à fond dedans et pas faire moitié-moitié parce que sinon, faut pas le faire, quoi. Oui, donc il faut être passionné pour développer sur l'iPhone, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, avec 150 000 applications sur l'App Store, est-ce qu'il n'y a pas trop d'applications aujourd'hui, si bien que les belles applications, il est parfois difficile de les trouver, non? Vous ne trouvez pas, messieurs?
Ben moi, j'ai tous les jours. Moi, clairement. On préfère 10 papiers par jour sur les applications qui sortent sur l'iPhone. Moi, j'ai un peu un problème avec ça, c'est qu'à la fois, il faut que ça reste quand même plus ou moins une démocratie, hein, et à la fois, je vois tellement d'applications qui sont terriblement à chier sur l'iPhone que j'aimerais, en tant qu'utilisateur, que Apple dise plus souvent non, 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 ça vient pas chez nous, ça. Sauf que Apple, le problème, c'est que. Pourtant, il y a un système de classement, oui, mais on peut pas dire non à une application. Enfin, Apple le système de classement, quand tu vas dans les classements, s'il vous plaît, quand tu vas dans les classements de l'App Store, tu t'aperçois souvent que les bonnes notes, c'est les employés du développeur qui le font, quoi. Ouais, ça, c'est un autre problème. Alors, ça, c'est une autre problématique. C'est-à-dire qu'il y a des boîtes qui sont payées pour mettre des notes, quoi. Mais bon. Voilà, exactement. Non, mais attends, franchement, il y a une analogie qui fonctionne bien sur l'App Store. Je me suis un peu frité dernièrement sur des forums sur cette histoire, sur le fait qu'en effet Apple faisait une espèce de stricte surveillance de telle ou telle application et qu'ils en avaient refusé, notamment celle qui faisait coin coin. Bon, bref. Et je suis assez d'accord, moi, avec canards, la politique. Emmanuel, chez Apple, en ce oui, non, mais bon, c'était une application qui faisait coin coin, elle avait été refusée. Apple avait envoyé aux développeurs, écoutez, franchement, c'est un peu limite pour pas citer. Et pensez bien, un truc fait coin coin. Et donc, c'est un carton. Fallait voilà, qu'elle fasse ça, deux ouais. sons, non et donc, ouais, fallait qu'elle fasse coin-coin, mais autre chose. Bref. Et sur certains forums, on s'était élevé contre ça en disant « C'est horrible, notre liberté, gna gna gna, Apple, Big Brother, tout ça. » Mais non, Apple, c'est l'App Store, c'est son restaurant. Donc, il va choisir c'est les produits magasin. Qu'il met dedans. C'est tout à fait normal. C'est son magasin, c'est son restaurant. Et il fait son métier dans cette sorte-là. Donc, il veut pas que sur sa plateforme, il y ait 50 applications qui font coin-coin. Qui a été quand même une pollution absolue de tous les téléphones mobiles, c'était toutes les applications à la con qu'on nous vend encore, qui sont en plus des arnaques, parce que ça, c'est uniquement destiné au jeune public, qui les pauvres ne savent pas qu'ils utilisent la carte crédit de papa pour l'acheter. Ce qui est quand même problématique avec le 895. Ouais, bon, sinon, iFart, c'est toujours gratuit. Oui, ce qui est quand même problématique avec l'App Store, certes, c'est le magasin d'Apple, mais avant, quand tu commercialisais dans un magasin, tu pouvais aller voir le vendeur en disant voilà, je t'explique pourquoi. Voilà, il n'y a pas de relation de proximité quand même avec l'App Store pour un développeur, c'est parfois un petit peu compliqué, non, messieurs. En clair, il devient parfois difficile pour un développeur d'avoir une relation, je dirais. De proximité avec l'App Store, c'est parfois compliqué. Des fois, les applications sont retoquées, on ne sait pas trop pourquoi, non, vous trouvez pas ? Je crois que c'est un peu fini ce temps-là. Ouais, et puis surtout, ça va apparemment, du client, bizarrement, beaucoup plus vite du jour au lendemain. Maintenant, il faut a priori juste quelques jours pour avoir son application publiée, alors que moi, mon expérience... Ils ont vachement amélioré le système. Ouais, je sais pas trop, ils ont dû engager du monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ils ont dû engager un deuxième reviewer, succès, en fait. C'est ça, ils étaient victimes de leur succès. Ouais. Ils étaient victimes de leur succès, Steph, concrètement, Apple, où il y avait vraiment voilà, on se souvient quand même, ils ont refusé pas mal d'applications, ça a fait beaucoup de bruit sur le web. Bah justement, sans vouloir faire un teaser, mais je vais compris, quand même le faire. Y compris ça, à Google, hein, souvenez-vous. Hein. Mais bon, passons. Ça fera partie un petit peu de mon prochain coup de gueule, justement, puisque j'en avais fait un pour Microsoft, j'en aurai un pour Apple. Et ce que je disais, c'est que maintenant, a priori, il faut juste plus que quelques jours pour que ce soit publié. Alors je pense qu'à une époque, ils étaient peut-être victimes de leur succès, mais je pense surtout qu'ils n'avaient pas mis les moyens nécessaires à avoir plus d'équipes qui bossent là-dessus, quoi. Je sais que moi, ma première expérience de publication d'une application sur l'App Store, c'était quand j'ai bossé pour Orange, et on a fait Pick and Play, c'est qui n'est si vous les écoutez. Malheureusement plus trop développé, mais on a juste mis quand même 3 mois, si je dis pas de bêtises, pratiquement 3 mois, 2 mois et 3 semaines pour être publié. C'est souple, hein. Donc ça fait mal. Et tout ça pour des conneries. Donc c'est-à-dire qu'ils ont mis, globalement un mois et demi pour nous dire qu'il fallait qu'on change une lettre dans un fichier et puis recompiler, leur renvoyer. Donc c'était, pour moi au début, c'était, on voyait pas la fin du tunnel, quoi. Est-ce que et ça, quelque part, aujourd'hui, c'est pas une voie royale pour les concurrents d'Apple, notamment Google et Android, pour attirer les développeurs? Ça a marché à mort. Sauf qu'il faudrait qu'ils réussissent à faire quelque chose, quoi. Et c'est toujours un peu la même problématique. C'est-à-dire que j'en ai encore discuté. Steph, concrètement, qu'est-ce que tu reproches à Google et Android aujourd'hui? À ce que ça marche pas vraiment, quoi, je veux dire. À ce qu'ils n'arrivent pas à reproduire le modèle d'Apple et à réussir à faire. Le problème apparemment, déjà Google est beaucoup moins regardant sur le contenu des ça c'est possible, mais la question c'est n'est pas là. La question pour est sur le c'est sur quand même agréable que tous les 5 minutes on vous dise non ça non ça oui ça non ça oui ça ouais, non. Ouais, mais quoi. Pour c'est, un c'est après même si tu veux si vraiment parler aux Apple, développeurs, même si c'est l'épicerie d'Apple comme disait tout à l'heure. Ouais, mais après si tu veux vraiment parler de plaisir du développeur, Java Objective-C, ça va, je vais racheter chez Objective-C.
Donc s'il faut, s'il faut, si pour toi tu parles langage si... de développement, tu préfères Objective-C. Ouais, que Java, clairement. Mais donc voilà, mais donc tout ça pour dire que c'est pas parce que c'est moins difficile, moins facile de rentrer sur la plateforme que. Mais concrètement par rapport à Android, le majeur problème c'est que Android c'est très très bien et j'aurais très probablement un Android s'il n'y avait pas d'iPhone et s'il n'y avait pas de Palm Pre derrière, parce que c'est le Palm Pre que j'aurais derrière. S'il n'y avait pas d'iPhone. Il est bientôt en France. Ah c'est toi. Non. Oui, c'est moi qui aurais le Palm Pre. Ouais. Et non, j'aime bien le Palm Pre s'il n'y avait pas d'iPhone. Oh, c'est des anciens. Android, ce serait mon troisième choix. Android, ce serait mon troisième choix. Parce que c'est trop. Android, c'est un truc de geek. C'est, oui, forcément. Quoi il est en Allemagne, donc il regarde Arte. Oui, c'est Arte lui aussi. C'est lui. Ah, putain, ah bah, on l'a trouvé. Oui, je suis en Allemagne. Oui, on en a. Je ne souhaite que le. Qu'un vrai concurrent. Moi, je ne souhaite que qu'une chose, c'est qu'Android et que le Nexus One soit un hit. Après, là où va y avoir un vrai problème, c'est au niveau du soft. Il y a plusieurs problèmes. D'abord, si tu parles avec des développeurs, moi j'ai des mecs qui bossent pour moi, qui développent en Android parce que moi je veux pas le faire. Sujet, La première chose qu'ils te disent, c'est ah ouais, mais pour quel Android 1.5, 1.6 ou 2.0? Oui, mais les choses vont se normaliser. C'est là où, oui, je sais bien, les choses vont se normaliser. Concrètement, est-ce que le nouvel Eldorado aujourd'hui, étant donné qu'on part d'une base installée et d'un nombre d'applications qui est quand même plus restreint, il y en a 150 000 chez Apple, j'ai mes notes, il y en a 4. Android 5. Moins de 20 000. Donc, allez. Moins de 20 000, donc il est quand même plus facile d'être. On me fait signe dans l'oreillette qu'il vient d'en avoir une sixième. Mais concrètement, aujourd'hui, récemment à Paris, il y avait une conférence des développeurs sur la mobilité, ça s'appelle donc le Mobile 2.0. Il était amusant de voir que le nombre de développeurs qui avaient dans la poche, développeurs iPhone, un Nexus One. Ça veut dire que Google les drague d'une manière, je ne sais pas si c'est votre cas, notamment en stuff, c'est important pour essayer de leur filer un Nexus One pour qu'ils s'y mettent, quoi. Ouais, c'est hallucinant. Bah, apparemment, le Nexus One, il serait disponible en Allemagne, c'est possible, ça? Tu l'as avec toi, c'est ça? Non, je l'ai pas sur moi, mais je viens de googler et apparemment, ce serait disponible. Ouais, Google pourra très très bien essayer de nous séduire, mais il va falloir nous travailler vraiment au corps parce que c'est un problème de communauté, quoi. C'est-à-dire que quand on était à WWDC, il y avait même. Mais attends. Bon, d'accord. Moi, ça m'excite pas une seule seconde, en fait. Sur les 150 000 applications qu'il y a sur l'App Store aujourd'hui, il y en a beaucoup qui sont issues, comme, effectivement, de cette communauté de développeurs, mais qui, hier, développaient peut-être sur Pocket PC ou développaient. Alors, ça, c'est deux choses différentes. Voilà. On en revient aux opportunistes. Alors, non, eux, non, très bien, peut-être. Attends, tu peux venir du côté obscur et pas être forcément opportuniste. Et t'intéresser à une plateforme comme l'iPhone aujourd'hui. Pourquoi ils ne passeraient pas sur Android? Pourquoi plusieurs stores, c'est pas mieux qu'un seul. Non, Olivier, oui. Il faut arrêter qu'Android. Android restera une parenthèse dans cette histoire qui se refermera certainement dans quelques mois. J'ai du mal ce soir. Comme on ne dise pas que je défends pas quand même Apple, hein, j'en ai marre. Hein. Non, mais attends, parce que Windows Phone 7 arrive et que Microsoft ce jour-là va reprendre la main vis-à-vis des constructeurs. Voilà, ça non, s'arrêtera là. Pas. Que Windows si, 7 si, arrive, tu parles de Windows sur mobile. Ah, des constructeurs HTC et compagnie, ouais. Oui, ils vont arriver, ils vont aller voir LG, ils vont aller voir Samsung, ils vont aller c'est voir fait, HTC. Déjà, hein. Ils vont leur dire, ah, aujourd'hui, Google, vous arrêtez, c'est fini. Et ça va s'arrêter comme ça, parce tu que penses qu'ils Google leur demander... n'a aucun moyen de leur imposer, parce que c'est ce que va faire Microsoft, et quand ton rival impose quelque chose à ton partenaire, t'es obligé lui aussi de lui imposer quelque chose. Tu peux pas juste lui dire ouais mais attends c'est super sympa mon système, continue de le faire chez moi. Non, ils arrêteront. Pourquoi? Parce que Microsoft va mettre 500 millions sur la table en disant moi Windows 7 mobile je vais vous faire une promotion d'enfer pendant des années parce que mon but c'est de détruire iPhone qui est devant et tout le monde va suivre et Android ça va s'arrêter comme ça. Ouais. Oh. Et l'iPhone pourtant va pas être détruit. On prend date. Et on verra iPhone contre Windows Mobile. Ouais, il faut non, expliquer que la plupart des constructeurs de Windows Phone font aussi des Android ou voire du propriétaire comme Samsung avec Bada. Donc c'est vrai que pour l'avenir, on se demande s'il peut y avoir ça comme ça. Ça aussi vont abandonner. Enfin, c'est n'importe constructeurs quoi. Plusieurs systèmes d'exploitation. On a un peu divergé, on est un peu sorti du sujet, à savoir peut-on faire fortune aujourd'hui avec l'App Store. Dernière question, messieurs, avant de se quitter, sinon on va se faire taper sur les doigts par l'hébergeur. Et oui, il tape sur les doigts en ce moment. Steve, concrètement, ou Camille, vous avez concrètement autour de vous des gens qui ont vraiment tiré leur épingle du jeu et qui, de manière inespérée, ont gagné beaucoup d'argent en développant comme ça une appli sur l'iPhone?
Non, moi je ça reste pas, du domaine du rêve. Je connais des développeurs, peut-être comme Stuff, qui vivent du développement iPhone, mais ils ne sont pas vendeurs final du produit. Ils sous-traitent la création d'un produit. Ils sont vachement chers. Je connais des éditeurs de jeux qui se sont lancés dans l'iPhone, mais pour l'instant, c'est un bide. Ils espèrent que ça fonctionne, mais pour l'instant, c'est pas encore le cas. Après, il y a des éditeurs de jeux sur Mac qui sont comme Freeverse, qui ont été rachetés. Sur Mac ? De jeux sur Mac, ouais. De jeux sur Mac ? qui ont été rachetés c'est le truc avant par un éditeur iPhone. Et pour eux, ça marche plutôt bien, ouais. Mais non, concrètement. Success Story, d'abord, tu en connais, toi, des Success Stories ? Je connais des exemples. Un exemple parmi tant d'autres qui me vient directement à l'esprit, c'est ce dont on a déjà parlé, qui s'appelle Where2, qui est donc de FutureTap.com, qui est un gars que je connais très très bien, Ortwin Gens, pour avoir discuté très très souvent. Et ce gars a racheté à TapTapTap, qui est la boîte qui fait plein d'applications, TapTapTap.com, entre autres, Tipulator et plein de trucs. Il a racheté cette app donc fin 2008. Il l'a racheté $50,000. Et il s'est donné 2 ans pour récupérer son capital. Et il a mis globalement 14 mois. Pour le récupérer. L'une des plus belles, certainement, success stories, je ne sais pas si tu me démentiras, Emmanuel, parce qu'il faut conclure, c'est peut-être Gameloft qui a vendu 10 millions, messieurs, 10 millions de jeux sur iPhone. Ouais, mais on ne sait pas très bien quel est le dessous du contrat Gameloft-Apple quand même. C'est-à-dire ? Et ils ne partaient pas de rien. Non, ils partaient pas derrière. Derrière, c'est non. Alors, la famille Guillemot, mais visiblement, voilà, ils ont. Oui, non, bien sûr. Mais aux États-Unis, ils avaient un accord. Avant l'iPhone, Gameloft, c'était inconnu. Hein, je veux pas. C'était. Oui, mais non, non, c'était pas inconnu. Non. C'était pas Ubisoft. Aujourd'hui, c'est aussi connu qu'Ubisoft, hein, Gameloft. Voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la notoriété de Gameloft a littéralement explosé en même temps que ses ventes sur iPhone. Hein, oui, mais qu'est-ce qu'ils ont fait pour avoir tous ces jeux sur iPhone ? Ils sont arrivés les premiers. Sur la Home. Non, c'est pas simplement ça. Ils ont eu un accord avec Apple, ouais. un accord d'exposition de leur app sur l'App Store. Alors, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Parce qu'en effet, Apple dit non, mais chez moi, tout le monde a sa chance et ainsi de suite. Voilà, c'est l'équité pour tous. Et puis là, tout d'un coup, on se rend compte quand même que c'est bizarre. Gameloft, à chaque fois qu'ils sortent un truc, ils ont le gros panneau en gros sur l'App Store. Ils sont sur scène avec Steve, mais il y a Electronic Arts aussi comme ça. Il y a quand même visiblement des accords préférentiels avec certains développeurs, quoi, qui n'existent peut-être pas dans la musique d'ailleurs. Ouais, mais de là en vendre 10 millions, Emmanuel. Ah non, mais beaucoup, moi je me rappelle avoir interviewé le patron de Gameloft. C'est le chiffre qu'a donné Gameloft. Hein. Ouais, moi je l'ai interviewé en juillet ou en août. En 2008, donc c'était il y a vraiment longtemps. Tout début de l'interview sur Electron. Ouais, au tout début de l'App Store. Ouais. Et où le type me disait, c'est simple, Apple, donc à l'époque, il n'y avait pas grand chose hein, comme iPhone dans le marché. Et il me disait, Apple aujourd'hui, c'est 20% du chiffre d'affaires de Gameloft et c'est le plus gros de mes clients. C'est-à-dire qu'il est plus gros avec ses quelques centaines de milliers d'iPhone qu'il y avait à l'époque dans le marché. L'ensemble des territoires de style Vodafone et compagnie où il y a 200 millions d'abonnés, vous voyez. C'est-à-dire que ça dépensait plus avec les quelques-uns. Donc quand le type a vu ça, quand il a vu ce ratio hallucinant entre quelques mobiles qui lui rapportaient énormément d'argent et d'autre côté des millions et des millions d'abonnés, de clients qui ne rapportaient rien, il a investi tout ce qu'il pouvait, voilà. Messieurs, je crois qu'on va s'arrêter là. On aurait pu parler aussi longuement de l'iPad, puisqu'on en a parlé longuement la semaine dernière. Oh. Parce que ah ouais, je voulais vous le montrer alors, non ? Vous voulez pas le voir ? Vas-y, sors-le ! Montre-nous ton iPad. Voilà, c'est un iPad révolutionnaire avec un clavier. Ah bah. C'est un PC, ça, d'ici. C'est allemand alors. Ah là là, ces allemands, ils ont aucun goût. Merci, messieurs, d'avoir participé à cette même édition dont on refait le Mac déjà. Eh oui. Je vous donne rendez-vous également tous les mois dans la publication iCreate et chaque semaine sur SCI Radio pour Vous avez un mobile. À la semaine prochaine, messieurs. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.